écrites, télévisées, internetisées, qui répondent matin avec l'invitation que nous lançons justement pour nous parler avec la population haïtienne sur un sujet unique qui c'est code pénal que le président Jovenel a publié le 24 juin qui se passe là dans le journal officiel PIA qui c'est le ministère. Nous tous connaissons qui va le travail qui a fait et moi-même personnellement m'a dirigé, présidé commission justice là qui fait près de 2 ans n'a travaillé sous code pénal et code de procédure pénale. Nous songeons le travail que nous avons gagné, président Santé Voyer, on travaille comme ça pour nous. Et au niveau du Sénat de la République, nous faisons 2 ans pour nous travailler avec tout secteur dans la vie nationale là, qui permettent de nous déposer le 18 novembre 2018 au Sénat de la République un travail fini que nous soumettons à la sagacité et à la lecture de l'Assemblée des sénateurs. Nous permettons la presse pour remercier tout le monde qui a contribué à notre travail. Ça. Je voulais parler de faculté, particulièrement faculté de droit de Port-au-Prince et faculté de droit des Gonaïves, pour les étudiants qui ont participé. Je voulais parler de criminologues haïtiens qui ont participé, ethnologues qui ont aidé sur des thématiques bien particulières telles la zombification. Je voulais saluer JSSP, qui s'est organisé en ONG, qui était accompagné à travers les 5 juridictions des cours d'appel de la République et accompagné au Chili. Nous sommes allés au Bénin pour nous faire un peu de droit comparé encore sous code pénal et code de procédure pénale. Moi, je voulais saluer de manière particulière les magistrats assis et debout, qui juges de paix, juges première instance, cours d'appel, cours de cassation et commissaires du gouvernement. Yo, qui ont même participé dans le cadre d'élaboration du travail ça que nous avons déposé. Mais pas oublier technicien au niveau Sénat, qui était vraiment infatigable et qui était remis le fait que nous avons mis en pile et accent sur le travail que nous avons fait le pays. Je voulais saluer chaque membre de la commission qui a suivi la conférence de presse. Mais à matin, on est venu pour nous dire, nous tous haïtiennes et haïtiens, nous sommes conscients que nous avons besoin d'un nouveau code pénal. Nous avons besoin d'une réforme, une réforme sérieuse en matière pénale. Moi, je travaille là-dedans depuis 2007, jusqu'à aujourd'hui, je travaille là-dedans, parce que nous estimons que le pays a besoin d'une réforme pénale. Cependant, moi, j'ai un regret pour me dire à tout le monde qui travaille dans le code du haut, dans 5 juridictions, particulièrement les magistrats et les avocats, que ça nous fait entendre nous sur Yoa. Malheureusement, ce n'est pas tout qui est publié à travers le code que président Jovenel prend par l'ICREA. L'ICREA a un code, nous-mêmes nous avons un code pour le pays. Un code pour mettre l'ordre dans le pays, qui a permis de respecter les gens, de respecter les familles, de respecter bien les gens. Malheureusement, le président Jovenel choisit un code qui est beaucoup plus libéral que le code nous-mêmes nous avons travaillé. Libéral, je suis seulement venu sur quelques points, parce que le Parlement va fonctionner, le Parlement caduc, je n'ai pas de pouvoir encore pour bloquer des désordres qui t'a fait, moi seulement capable d'informer la société de ça qui fait et de mesures qui prend. Code ça a 24 mois pour l'appliquer en Haïti. 24 mois a commencé déjà parce que le publié le 24 juin. Code ça, il y a des thématiques que nous travaillons sous lui, sous yo, à travers les 5 juridictions, tant pour avortement, le peuple a dit que ça a été vrai. Il te dit qu'il a pénalisé partiellement. Lorsque maman a des problèmes à Timon Apotea, lorsque c'est inceste, lorsque c'est viol, lorsque c'est des cas qui sont indépendants de volonté, Timon n'est non viable, parents te dit, alors notre population te dit qu'il a été pénalisé dans 4 cas. Malgré nous avons gagné le monde qui a vécu avec handicap, qui te dit attention, même lorsque vous êtes handicapé, vous avez droit à la vie tout, il faut nous protéger. Mais dans le code président Jovenel, là, l'illégaliser avortement total capital. Nous avons informé la population que majorité sexuelle, dans le pays, quand la France, qui étudie droit et nous fait droit de comparer pour yo, la France, la Belgique, nous fait et doit comparer avec les États-Unis, avec le Canada, nous voyons les pays ça ont un système de protection sociale qui est vraiment avancé, qui permet aux petits monde 14, 15 ans capable de faire un petit qui va l'occuper. Et parents capables de remettre l'État. Nous te dit,
kol sa ki sot al etranje ki dit timoun yo ka rentre nan vi seksuel a 15 ans, pa pou Haiti. Parce que sociologiquement, nous comprenons. Mais le président Jovenel dit 15 ans au plus. Alors, il dit que ma minorité sexuelle là, 15 ans au plus. Donc, si nous sommes capables de la relation. Et il y a des exemples qui font côté, ils ont essayé de brouiller nous sous volonté de Timon. Et ça, personnellement, lui fait mal. Il fait mal lorsque nous connaissons des batailles menées pour nous dire de consolider les familles, de faire des permis de Timon et de l'école. Mais ils ont fait un pile des autres côté. Dans l'article 384 là, yo dit timoun, yo même ta vle reconnaître tacitement la prostitution infantile. Côté yo dit si un timoun livré à la prostitution et que un moun a fait bagay ak timoun ça, y a bay moun non 3 ans prison mais reconnaître livré à la prostitution. Ça faut que société a li analyser le bien. Parce que moi-même, lorsque le commissaire du gouvernement m'applique la loi contre moi, qui fait bagarre avec Timoun, qui est moins que 18 ans, même le Timoun a dit oui, parce que l'enfant n'a pas de consentement. Mais avec ce texte pénal qui est signé par le président Jovenel, c'est 15 ans au plus que vous dites, par eux, à connaître comment pour vous protéger tête contre le code pénal. Dès la bestialité, fait bagarre avec bête, que nous avons dit à travers 5 juridictions, nous avons sanctionné. Le président Jovenel dit lui-même, il va sanctionner. Il a seulement dit si aucun bon monde fait des bagages avec chien, eh bien, il a sanctionné le monde qui force le faire des là. Mais si on ne fait des avec chien, ça va regarder l'État, va regarder l'autre public. Ça, c'est le président Jovenel avec son code. Nous avons une question d'inceste. Nous tout connaît inceste dérivé dans le code civil là, jusqu'à cousin, à cousine. Dans le code pénal, ça, il dit. Yo interdit seulement papa fait bagarre avec timoun petit frère avec soeur mais on pas arrivé dans des cousins un peu libre à des cousins à cousine yo très libre non nous non code pénal là toujours la grande nouveauté que pour code pénal ça a apporté c'est la, le renforcement de l'homosexualité à travers les articles et c'est l'écrit des plus article 248 264 275 278 298, 209, 209 là même plus grave. 209 là, lui, censé renforcer toute sanction qui est dans le code pénal là, si on en a fait avec Yoma Sissi, Yoma Divine, Yoma qui change pour vous, mettez des pénis, Yoma les transgenres, Yoma où toute sanction a aggravé. Si nous permettons, nous appelons l'article 207 là pour nous. Pour la population qui comprend bien qui comportement qu'elle doit gagner par rapport avec l'autre monde en la société. Il dit, dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise en raison de l'orientation sexuelle de la victime. Orientation sexuelle, dans tout texte, sexe qui a répété 2 ou 3 fois. Mais tout l'autre côté, c'est orientation sexuelle. Que le président Jovenel mette. Nous avons à comprendre, ça veut dire, nous même cap suivre. Maintenant, gagner grâce et ses effets. La grâce, c'est lorsque le président lui décide de monter condamné, mais condamnation, ça lui a effacé le poulet. Nous sommes le président Jovenel et gracié plus de 400 mounes. Et hier, moi, OPC dit que 400 mounes, ça y a gagné là c'est bandit, qui est kidnappeur. Il y a un monde qui tue un paquet de monde. Le président Jovenel mettait dans le code pénal. L'élégation au monde, le monde a retourné à la vie publique, à la vie politique. Ça veut dire un kidnappeur aujourd'hui qui est relâché demain, il est capable d'aller, la grâce fait retourner ce kidnappeur dans ses droits civils et politiques. N'a imaginé, n'a compris qu'est-ce que ça veut dire. Oh, discrimination. Moi, je vais voir avec nous l'article 262. Qui parlait de discrimination. Il dit tout type de discrimination qui fait à l'égard de monde, soit pour l'âge ou, soit pour profession, soit pour couleur peau et orientation sexuelle ou gagner pour aller pour une prison de 1 jusqu'à 3 ans. Et là, on pensait, les pasteurs, les juges sont concernés, dans la mesure où dans le décret avant, il était dit le changement morphologique est accepté par l'État haïtien. Aujourd'hui, la sanction à l'article 262, il dit
sanction li aller jusqu'à 3 ans prison. Imaginez un pasteur comme pasteur Muscadin qui gagne deux moun la kayli. Youn décide de changer sexe et yo dit pasteur faut marier yo. Pasteur a dit non, il va pas marier yo. Ça relève discrimination pour aux questions orientation sexuelle. 3 ans prison. On va avancer. Moi je vais avec nous avocat yo. Le secret de du président Jovenel. Je me tout connaît qui j'aime pas de côté dans le cœur. Donc tout connaît qui j'aime pas de côté dans l'esprit et c'est une gars ça la quoi c'est code net qui la donne code. On prend tout code en Afrique, dans l'Amérique latine, en Amérique pour faire un collationnement pour un bon travail pour le pays. Mais malheureusement, nous avons un code qui a des difficultés pour appliquer. Quelles difficultés? Premièrement, on a appliqué le code, on a les magistrats, les juges. Dans le code, ça, on a jugé 3 ans en prison. Article 745, il dit 6 juges là, il y a deux personnes qui parlent devant le pour même si tu as parlé là, tout à l'heure. Un exemple, et que le juge a dit pourquoi, ou bien parce que je ne suis pas d'accord que ton parlait à faire, je ne pas juger, il dit que le juge a fait déni de justice, il a parlé 3 ans d'emprisonnement. Sous ça, je connais l'association magistrale déjà en concertation pour avoir une réponse pour dire que le code ça pas appliqué, ce dont je ne pas souhaité, dans la mesure où le code là, nous besoin, un code dans le pays qui est utile nous, par rapport à Saint-Dégué depuis 1835. Donc les magistrats, les juges de paix, les juges capables en siège, et vous regardez où est la police judiciaire débarquée sur vous, ils viennent arrêter vous. Seulement, quand ça va dire, qui est le juge qui a jugé le juge là? Problème. Nous devons connaître avocat et tout. C'est eux qui parlent devant le juge là pour compléter le tribunal là. Mais avocat, dans le code pénal, le président Jovenel, là, il dit, juge là qui a retiré licence avocat. Suspendre licence avocat et pour le faire pas qu'à militer encore comme avocat au cas où un acte que avocat écria t'a gagné une faute qui t'a semblé avec une infraction délit ou bien crime. Et même continue pour dire, yo qu'a pris un avocat voyé devant le tribunal pour y juger. Donc l'immunité professionnelle que avocat ou les barreaux t'a gagné pour défendre tête yo à travers le texte président Jovenel là, lui pas censé là encore, lui dit avocat yo qu'a renvoyé devant le tribunal pour y pour sanctionner. Maintenant, m'a fini pour me dire moi insurgé contre l'exécutif et le palais national qui admettait barbouquet dans la bouche population. Parce que la population a droit à l'information. Lorsque le décret qui était un changement morphologique a été publié à travers les réseaux sociaux, et rapidement, des groupes organisés ou des ambassades réclamaient yo pren victoire, yo savoure victoire. Code pénal là, c'est pour tout haïtien lié. Quitte ou dans opposition, quitte ou au pouvoir, quitte ou dans diaspora, quitte ou en Haïti, quitte ou Port-au-Prince, ou bien dans section communale. Code pénal là pour professionnels et non professionnels. L'État a une grande publicité qui fait autour de lui. Mais on a dénoncé le fait que les presses nationales, pas l'un public, code pénal là pour le peuple, pas contre ça là. Je parle ni public, je vends ni 5500 gouttes. Donc ça veut dire que ne pas contre ça là-dedans. Et là, je m'attire l'attention pour nous connaître que ça les concerne comme journaliste, les concerne même comme avocat, comme mon fait politique, comme père de famille, les concerne nous toutes. En conséquence, je pense que c'est important pour nous continuer de travailler avec la société sous code SAIO, parce que nous pouvons décret SAIO pas applicable vraiment en Haïti pour plusieurs raisons. Maintenant, c'est le moment, c'est le temps du président Jovenel pour que la prend par-ci et par-là, en veux-tu, en voilà des décrets. Nous avons dit que nous avons couru, mais la population haïtienne, même gens avec le Tchad, même gens avec le Bénin, même gens avec le Cameroun,
même genre avec Canada, avec la France, ils ont une culture par yo, et par conséquent, nous pas carité dans pas bouquette là. Merci beaucoup de ce que vous avez venu. Ma pédé disponible pour nous pour la question, toute question possible et imaginable dans le cadre de la thématique d'aujourd'hui. On a toujours fait des autres. Moi, c'est vous, on a tous. Oui, oui. Nous gagnons. Question, on a bien deux volets là-dedans. Nous gagnons un premier aspect qui a à voir avec le coronavirus. Yon, c'est concernant la conférence. Qui position par rapport avec le phénomène de zombification? Deuxièmement, le président Jovenel Moïse prend décision côté lui annoncer lui réouvrir le pays à partir des jours du 2021. La paix qui casse pas du casse. La voix de la mairie est à la même position. Ma réponse, la voix de la mairie, pour dire, sous question zombification, l'une fois pénal, président Jovenel là. Zombification dans le code pénal, le président Jovenel là. Peut-être que c'est un petit cadeau que nous avons dans le travail que nous avons fait. C'est à l'article 281. Il a donné lui-même parlé, lui-même a agencé question coup de poudre là. Mais il n'a pas parlé de consacrer dans le langage pas non, ni zombification ni coup de poudre. Il dit là-dedans état léthargique qui conduit à la mort et puis il a joué dans le travail avec un monde, occasionnellement en permanence, il est sanctionné là de 20 à 30 en prison. Mais on parlait de le fait d'administrer des substances nuisibles à la santé aussi. Ça y allait pour question mystique, coup de poudre, licencié régler dans ça. Maintenant, cette question est répondue. Maintenant, pour l'ouverture du pays, moi pensais qu'un pile haïtien qui a besoin d'entrer dans le pays. Un pile haïtien qui a des problèmes, qui a besoin de venir. Cependant, moi-même, j'ai une observation encore parce que moi j'ai une velléité de la part des autorités haïtiennes actuelles. Pour te gagner des nombres, au nombre de monde que tu as enterré. Et tu as obtenu 5000 monde par jour, tu as obtenu 1500 monde par jour. Heureusement, nous n'avons pas gagné 1500 monde par jour que tu as obtenu. Nous avons à Miami, Kounia, Bagala, Paten, Pikli. Et avion qui a sorti, qui a sorti Haïti, à Miami plus, à Floride plus. Moi, je mets dans l'observation, est-ce que ce n'est pas cas, monsieur, dame, autorité ou pas de joindre? Il a ouvert la frontière pour venir des cas et pour gérer l'argent sur le cadavre de la population. Maintenant, c'est mon observation que je ne vais pas partager avec moi, mais je suis prudent. Merci. Bonjour, sénateur. Éloge Binford, pour Radio Arc Télévision Métropole. Vous avez dit de manière qualificative. Ça crée un document. Est-ce que ce sont des documents exécutifs qui sont truqués? Je sais qu'on soit qualifié. Ce sont des trucs qui sont dans le document. Si oui, est-ce qu'il y a un recours légal? Qui ça n'a fait pour l'exécutif là. Et puisqu'on insistait sur le fait que son document qui lui est appliqué, alors qu'on vous fait qu'il y a des problèmes d'application, qui ça n'a fait pour l'y pour remis habitable. Oui, est-ce que le truqué, m'a pour nous, je vous dis, je pas dit le truqué. Ce moment m'a dit c'est une copie. C'est une copie de texte que international a gagné Canada, il a gagné la France, il a gagné en Belgique. Et si un étudiant en droit qui est intéressé, m'a ouvert la bibliothèque pour vous montrer que des articles que vous répétez textuellement de code étranger à code Haïti. Remanié, vous passez, faut mettre virgule, vous avez un verbe, vous avez un épithète, etc. Nous, phrase, point pour point. Ça veut dire que c'est copie. Maintenant, nous-mêmes, nous faisons travail avec les commissions présidentielles. Et nous essayons, ouais, tout côté copié pour nous haïtianiser le texte. Pour nous donner un texte là, haïtien, par exemple, moi-même, je demande pour qu'il y ait un mot de choucage là-dedans, pour qu'il y ait une zombification là-dedans, pour qu'il y ait un coup de poudre là-dedans. Parce que coup de poudre, c'est là, et nous-mêmes qui connaissons. Zombification, c'est nous connaissons. De choucage, c'est nous connaissons. Moi, ça veut dire pour nous, oui. Or, le texte pénal est d'application stricte. Ça veut dire, ça, pour ça, on prévoit là, il faut qu'il y ait défini. Malheureusement, c'est parce qu'il y a fait, mais même moi, je ne pas dit truquer, mais je dit contre-pie. Et un copie de l'Occident qui n'est pas vraiment applicable en Haïti. Maintenant, qu'est-ce qui peut être fait? Puisque les décrets du président Jovenel que l'on veut ou non vont être analysés,
lorsque le Parlement a analysé pour décret ça, il a transformé en loi. Si le peuple a voté, sénateur, député, pas paresseux. Parce que ça a capable de faire 25 ans, 150 ans, par un moyen. Si sénateur et député par moyen, le prochain président qui a fini après faire mandat président Jovenel en 2021, capable de l'entrer tout vieux texte président Jovenel prend qui n'est pas utile au pays. Et conseil là, c'est si président Jovenel décide utile au pays à vrai, avant le texte, il y a un monde qui connaît le domaine. Ou à faire un décret sur la presse, ouais avec journaliste. Ou à faire un décret sur l'université, ouais avec moun qui gagne une cap travail dans l'université, qui a fait l'université, qui a enseigné. Au moins, tu as aidé le pays. Mais je dis à Wapwep, je vous présente, je venais porter à travers Texas la parole de l'international seulement. C'est dimanche au baisse en travail pour Radio Télé-Zénith. Alors, et, sénateur, est-ce que selon nous-mêmes, et texte et qui a un rapport avec les droits homosexuels. Parce que c'est le pays occidental même qui dicte le président Jovenel pour que lui-même soit capable de mettre ça dans le code pénal. Écoutez, je vais indexer l'international dans rien. La mesure où, lorsque je suis sénateur de la République, je suis sénateur de la République d'Haïti. C'est des Haïtiens qui m'ont dit. Si le président choisit pour gagner l'autre mentor, pour gagner le monde qui a coaché, c'est ça fait parler. Sauf que moi-même, je dis, Radio Zénith, que ça, son copie, et copie à Vini, des raisons qui fait là-dedans. Par exemple, alcool, vente d'alcool, le tout qu'on est aux États-Unis d'Amérique, il y a des petits mounes, on dit à 16 ans, petits mounes gagnent sur 16, mais ils n'ont pas accepté petits mounes dans l'alcool. Et ou même moi-même qui commence à blanchir, si ma côté m'a demandé alcool, il y a dit by 4, moi qui a prouvé que majeur, sinon il y a pas encouru sanction. Mais là, c'est seulement stupéfiant, il dit que pas petit monde goûter. Il dit si on met petit monde à consommer alcool de manière excessive, il est sanctionné. Donc consommation d'alcool pour petit monde pas rien. Mais si petit monde a consommé alcool là de manière excessive, c'est là le problème. Donc c'est un code importé qui ne saurait en aucune manière répondre aux attentes du peuple haïtien. Vision 2000. C'est un sénateur, c'est pour faire Vision 2000. Gagner le code de la tour, il a menacé pour bailler 3 ans en prison avec des gens qui appellent des massissi, madivine. Et il peut voir tout pour si le juge va le siéger pour faire 3 ans mandat. Comment est-ce ça? Et multiplication des gangs, et il y a un rapport sorti, et le président fait gaz présidentiel, le PC est là, il dit c'est quand il y a la guerre, il veut une réaction sur ça. Je vais vous dire rapidement pour nous dire Vision 2000. Et nous ne pas accepter crasse monde dans le crasse monde. Nous ne pouvons pas accepter crasse monde faire violence sur crasse monde. Que nous notons Massissi, Madivine, lycée monde qui est hétérosexuel, pas une crasse côté qui autorise monde exercer violence sur monde. Haïti pas qu'on exerce violence sur monde tout. Dans la mesure où Haïtien te qu'on vive avec tout. Les gens homosexuels, dans l'école, dans l'église, dans le bar, restaurant, dans le studio, ils sont avec nous. Ce n'est pas là le problème. Mais le problème, c'est que le président Jovenel veut nous imposer un mode de vie à partir de pays que lui-même lui projette pour le bail. Maintenant, sanctions. Oui, depuis qu'on a ennuyé les gens, a discriminé les gens, il faut que tu aies des sanctions. Mais pour qui ça va venir sur le sexe? Parce que mesdames, you, qui n'est en pile lutte, vous avez demandé pour nous mettre un crime sous rubrique féminicide dans votre pédale là. Parce que tout le monde, parce que c'est femme. Hein? Donc, nous avons ouvrir plus, nous dire sexe, masculin, sexe féminin, mais puisque c'est le nouvel ordre mondial intégré en Haïti par le président Jovenel, c'est fini. Maintenant, vous parlez de question gangstérisation pays. Nous connaissons très bien, moi j'ai toujours dit, pays a gangsterisé, moi j'ai toujours dénoncé. Je dis à l'époque beaucoup plus public que de gangsterisation. Et j'ai été le seul sénateur à encourager en mai, on te dit, il y a une autorité qui n'a pas de niveau avec gang. Donc il y a un rapport sur ça. Je dis à l'époque public, je vais pas dire sur ça encore. Sauf, nous avons que Gagnon a enregistré dans le ministère des Affaires sociales.
Le président fait grâce, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Mais si le président a cautionné gang, si le président a cautionné gang, hein, il va gagner pour qui a étonné de ça qu'il a fait aujourd'hui. Vous comprenez? Il y a un monde qui connaît en Afrique et qui déclare. Non, écoutez, le président a cougné dans la plus de monde. Et là, tout le monde a président, a sénateur, a député. Parce que là-dedans, dans le texte, il dit que la grâce fait retourner le condamné dans sa vie politique et civile. Donc, nous sommes menacés. Ok. Merci. Merci beaucoup. C'est bon. Adieu, oui, dans. 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 Langage palais. C'est bon. Oui, couvri, oui, oh. Adieu, oui, dans. La Guinée. C'est bon. Adieu, oui, dans. La Guinée, oh. C'est bon. La Guinée, oh. Adieu, oui, dans. La Guinée, oh. C'est bon. La Guinée, oh. Adieu, oui, dans. Langage palais. C'est bon. Oui, couvre, oui, oh. Adieu, oui, dans. La Guinée. C'est bon. Adieu, oui, dans. Petite même pays, même racine. C'est bon. Même cabrit Thomason. Adieu, oui, dans. Ensemble, nous t'es. C'est bon. Ensemble nous t'es souffri, adieu Rida, nous forger liberté, c'est bon, malgré yo t'es pi fort, adieu Rida, sac fin manger blié, sacrifice, c'est bon, bénéfice l'ambition, pas adieu Rida, divisé pour rien, c'est bon, c'est travail mauvais, c'est. Adieu, oui, dans. On fait la. C'est bon. Where's the dark bitch? Catastrophe. Easy, I'm on fire. TX5. For you, baby. Catastrophe. Ok. L'excès pas existé sous la tête depuis avant Jésus. Et dis-moi pour qui ou à bon problème qu'on ça pour les onti. Toujours sous tout pour m'occuper. M'a commenté au même yon jour, n'en bouge pas, moi je t'aime pas, j'aime sauter. Pas gain raison pour occuper, bonne chance pour me dire ça qu'elle me dit. Avant tout, yon tout fait erreur, y'a le juge sous apparence. Et suis qui non, ça faut dire qu'il y a des fois, je pas de bonne chance. Gain sac même al pi loin dit catastrophe là, c'est un bad boy. Toujours al pi, n'en fuit qui jamais sous yon poil comme un fly. Moi qu'à admettre, bébé, visage moi qu'à très effrayant. Dans son cam bébé, chargé power très attirant. L'âme poil prouvé au bébé, non vim qui j'en très important. Just listen. Pour ma chaîne au sein, pour femme sorti une jungle. Oh, no.